que la vie d'un groupe, c'est la vie d'une relation, relation, quelle qu'elle soit, d'une relation amoureuse, d'une relation entre des individus. Il y a quelque chose de très humain dans la vie d'un groupe et de très basiquement humain. Enfin, tu vois, finalement, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible, quoi. Chaque album, c'est l'album de la maturité d'une période. Donc chaque instant dans une vie, c'est un instant de maturité par rapport à ce qui a été vécu avant. On va vers quelque chose vers une liberté artistique, c'est sûr. Vers une affirmation artistique, en tout cas. Si demain est un doute, c'est un chemin qu'on connaît assez. C'est un album qu'on a vraiment. On est parti de rien. Il n'y avait pas de vrai. Il y avait quelques embryons de chansons, mais assez succincts. Et c'est vrai qu'on avait une direction dans laquelle on savait qu'on voulait aller, qui naissait un peu d'une frustration par rapport à Ciel d'encre, dans le sens où on avait le sentiment de ne pas avoir été au bout des choses. Au bout d'un certain temps, après avoir tourné, après avoir avancé avec Ciel d'encre, on s'est rendu compte qu'en effet, on n'avait pas complètement assumé ce qu'on voulait marquer. Et on avait quand même une volonté d'aller vers quelque chose d'un peu plus radical, de plus électrique, de pousser encore plus ce truc atmosphérique qu'on pouvait avoir. Et on a essayé d'aller dans ce sens-là sans vraiment en parler encore une fois, mais il y a vraiment eu un peu une énergie générale qui a été dans ce sens-là, avec le travail sur Blotti en tout cas, et qui a été développé pendant toute la période de création et exponentialisé, je dirais, par Ian Keppel, qui a vraiment su, pour le coup, canaliser nos énergies, faire en sorte que nous amener plus loin que même là où on voulait aller. Mais je pense qu'il y a vraiment une rencontre qui s'est faite à ce moment-là et qui a vraiment permis. D'une part, nous, on attendait ça, et Yann a vraiment senti qu'on attendait ça, donc il y a vraiment eu un truc d'énergie générale qui s'est mis en route et qui a vraiment permis d'aller très loin dans cette direction un peu plus radicale. Est-ce que tu me suis dans cette folie des bonheurs, cette folie moins ordinaire? Si on joue à s'oublier, est-ce que tu veux bien me rencontrer? Dans la nuit, brisant du verre et balançant quelques mots amers, te faisant mal, bouffant mes os, rongeant tes seins, est-ce que tu me suis? Faisant le coq en société, jouant l'idiot, l'âne battée, me renversant, ne parlant plus, me faisant mal, le malvenu. Tout le travail de composition qui a pu avoir lieu sur Blotti a fait qu'on est arrivé à quelque chose de peut-être plus fusionnel que ce que les Hurleurs étaient auparavant. Se surprendre, c'est finalement se laisser aller à toutes les possibilités, être ouvert, rester ouvert à toutes les possibilités. Donc en effet se laisser jouer. Laisser libre cours à ses idées, quoi. C'est beaucoup d'écoute, en fait, et beaucoup de conscience de ce que font tous les autres, et de pouvoir se reposer sur eux à la fois pour se dépasser et à la fois savoir qu'être aussi toi-même un support à ce que les autres font. Quand tu te mets à trouver quelque chose à écrire, à composer, quand d'un seul coup tu as quelque chose finalement qui se met en route, c'est finalement que tu es dépassé par ce que tu es en train de faire. C'est là où il y a pour moi en tout cas, c'est là où il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la création. Dans cette folie des bonheurs, cette folie moins ordinaire, si on joue à se rencontrer, est-ce que tu veux bien m'oublier? We'll be right back.
ça veut dire quoi aujourd'hui faire du rock? Je pense qu'il y a énormément de mélanges des genres qui font qu'aujourd'hui rock ça veut plus dire grand chose. En effet, on a une configuration instrumentale qui nous rapproche de la scène rock, c'est-à-dire qu'en effet il y a des guitares électriques, il y a de la batterie. Maintenant, tu parles de rock à des gens qui n'ont pas cette culture-là, ils vont se dire c'est quelque chose qui frappe, alors que nous on frappe pas vraiment. En plus, on attache quand même une grande importance au texte. Donc, est-ce que ça fait de nous un groupe de chansons ou est-ce que ça fait de nous un groupe de chansons rock? Enfin, tout ça, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est le problème des étiquettes et ça a un côté réducteur. Sans le moindre soupçon quant au passé soigné des duvets que parcourt ses lèvres, sa bouche. Chercher pareil des tissus, la senteur qui ont infiniment nos sens en leur tanière. Pour se perdre comme on plonge dans le torrent bouillant, lorsque les mains remontent et chahutent. Les gens se permettent plus de choses peut-être qu'en chanson où finalement les textes sont du coup un peu plus cadrés, en tout cas dans une chanson comme nous on peut en faire pour le moment, ça colle plus à la musique, enfin il y a vraiment un travail rythmique mais qui est lié à la musique, donc du coup ça formate quand même un petit peu le texte. Maintenant, je pense que il n'y a pas à différencier vraiment la poésie en termes qualitatifs de la chanson. Moi, j'aspire pas à écrire des poésies, je m'amuse plus à écrire des chansons. Les silhouettes défilent à travers les fenêtres et on prête aux montagnes des allures de bêtes. De train en autocar, on passe les vallées. Et à peine installé, on ne pense qu'à filer. Nous sillonnons les routes comme le fleuve son lit, débordant bien souvent vers d'autres pays. La pluie fait des ravages, elle dissout les maisons. Elle noie les villages et dissout la raison. Comme toute entreprise composée de plein d'individus qui ont tous leur mot à dire et qui ont tous leur point de vue, et avec le temps en plus on a tous affirmé nos individualités et nos caractères et nos désirs, et donc c'est vrai que parfois ça peut être un frein, ouais. Ça peut être un frein à certaines choses, mais bon, en même temps c'est aussi par ailleurs un moteur, donc tant que le moteur reste plus puissant que le frein, c'est intéressant, ouais.